m'appelle Aurélien Leroy, je suis ingénieur travaux à Géocéan. Donc Géocéan est une entreprise de travaux maritimes engagée sur le projet de SET pour relier une plateforme d'hydrocarbures à la terre en fait. On installe des tuyaux en acier de 24 pouces qui partent d'une plateforme située en mer jusqu'à la terre. Et on doit également relier cette plateforme avec un câble électrique, un câble de puissance, un câble de fibre optique qui va alimenter la plateforme en électricité. Et donc on a choisi la société Seima pour dérouler le câble depuis la terre. Parce qu'en fait on a des contraintes quand on travaille en mer, quand on installe ce genre de câble qui sont des contraintes surtout économiques, où on doit utiliser des gros équipements et des bateaux pour dérouler le câble. Nous on a choisi de dérouler le câble depuis la terre et donc d'avoir une remorque pour pouvoir dérouler le câble. Habituellement sur ce genre d'équipement on utilise des équipements assez lourds qui sont ce qu'on appelle les spooling winch, qui sont des équipements lourds à mettre en place et aussi un petit peu cher sur longue durée. Et là on a choisi la société Seima, que ça correspondait exactement à nos besoins, c'est-à-dire d'avoir une remorque capable de prendre un touré de 20 tonnes et de pouvoir le dérouler tranquillement. Donc en fait le concept de l'opération, c'est qu'on va mettre le tuyau en flottaison sur 1,4 km pour ensuite aller l'installer et le connecter à la plateforme. Donc en fait on installe des tuyaux en polyéthylène tout le long du câble, de sorte à avoir en fait un seul tronçon qui va faire 1,4 km au total, avec un tuyau en polyéthylène et le câble mis dans des coquilles en fonte qui va être accroché dessous. Et en fait tous les 24 mètres on va tirer du câble et tirer des tronçons de paille.